Après Beila, nous sommes arrivés dans un village qu'on appelle Kapieta. Après ce village, en pleine circulation, évidemment, le chauffeur, je ne peux pas dire qu'il voulait vivre à lui, mais il y a un autre motocycliste qui a surgi de la campagne pour accéder au goudron. Donc, à 10 mètres du chauffeur, alors il n'a pas pu l'éviter et le choc était inévitable. Il est venu percuter le motocycliste et sa moto. Nous, le véhicule a culbuté 3 fois de suite avant de terminer sa chute dans un fossé au bord de la route. Le motard en est mort sur le coup. Les autres ont eu des contusions et des blessures. Mais moi, j'ai eu mon bras gauche fracturé. Donc voilà. Ce qui est arrivé cet après-midi de lundi 21 mars. Pendant que nous parlons, nous sommes transportés à l'hôpital régional de Jéricho.